Zu dem Podium. Das hat einen ganz bestimmten Hintergrund. Ihr habt es ja in der Ankündigung sicherlich auch schon gelesen. Wenn es um Afrika geht, ich sage jetzt ganz bewusst Afrika, oft wird ja gar nicht differenziert, dass Afrika aus über 50 Ländern besteht. Ihr müsst mal die Tür zumachen. Oft wird das ja gar nicht differenziert, dann ist das einfach nur Afrika und dann ist das der Kontinent der Krisen, der Krankheiten, der Kriege, der Armut etc. pp. Und das ist natürlich auch ganz eng verbunden mit so einer rassistischen Wahrnehmung. Die Menschen in Afrika können sich gar nicht selbst helfen. Sie brauchen letztendlich die Hilfe des Westens. Sie brauchen die Hilfe von NGO. Sie brauchen die Hilfe der internationalen Gemeinschaft, weil selbst kriegen sie ja sozusagen ihre Probleme auf ihrem Kontinent nicht geklärt. Das waren jetzt sozusagen so rassistische Bilder, die immer wieder hier auch in der Öffentlichkeit zirkulieren. Und vor dem Hintergrund war es uns sehr wichtig, diesen Workshop oder dieses Thema hier auch zur Sprache zu bringen, nämlich, dass natürlich es in so gut wie allen afrikanischen Ländern, sicherlich nicht in allen gleich viel, eine ganz starke Zivilgesellschaft gibt, dass es in fast allen afrikanischen Ländern starke soziale Bewegungen gibt. Und das ist natürlich auch gar kein Zufall. Gerade weil in vielen dieser Länder die Staaten, die Regierungen sehr schwach sind, sehr korrupt sind, bleibt den Menschen ja gar nichts anderes übrig, als sich selbst zu helfen, als selbst Druck zu machen. Die Parlamente sind ganz oft Fassadenparlamente, wo tatsächlich korrupte Politiker sitzen, die im Grunde genommen nur dafür sorgen, dass für sie ihre Gruppe, ihre Region, ihre Stadt, wen auch immer, eben genug abfällt. Und im Umkehrschluss heißt das eben, soziale Bewegungen sind in den allermeisten afrikanischen Ländern sehr stark. Auch in den Ländern, in denen es überhaupt nicht demokratische Verhältnisse gibt. Wir werden das jetzt gleich von unseren beiden Gästen hören, die ja beide aus der Demokratischen Republik Kongo kommen. Wo es eben tatsächlich so ist, dass es dort sehr starke Bewegungen, sehr starke soziale Bewegungen gibt, obwohl es eben im Kongo alles andere als eine wirkliche Demokratie gibt. Emmanuel wird unter anderem über Migrationskämpfe in Marokko berichten. Marokko ist ein Königreich. In Togo, wie vielleicht einige gehört haben, sind jetzt bereits seit 2 Monaten Hunderttausende, teilweise über 1 Million, Togo ist ein sehr kleines Land, auf der Straße und demonstrieren gegen eine Familiendiktatur, die seit über 50 Jahren an der Macht ist. Also soziale Bewegungen sind eine ganz starke Realität in vielen afrikanischen Ländern. Und genau darum soll es gehen, um einfach diesen Blick zu schärfen. Es ist letztendlich eine rassistische Behauptung, die im Grunde genommen Interventionen von außen rechtfertigen soll. Die auch rechtfertigen soll, dass der Westen in Form von NGOs, von unterschiedlichen Formen, von militärischen und anderen Interventionen anwesend ist, um am Ende dann natürlich auch eigene Interessen zu verfolgen. So viel vorneweg, warum wir dieses Podium machen möchten. Jetzt haben wir ja jeweils 2 Experten sitzen, die darüber noch viel mehr und auch ganz anders als ich berichten können. Ich möchte Sie noch mal ganz kurz vorstellen, die meisten haben es wahrscheinlich auch schon gelesen. Links direkt von mir sitzt Emmanuel Mobela, der, wie gesagt, aus der Demokratischen Republik Kongo kommt, dort als politischer Flüchtling fliehen musste, kurzfristig im Gefängnis war, dann rauskommen konnte und sich dann auf den Weg nach Europa gemacht hat, sehr lange unterwegs war, sehr lange in Marokko festgesteckt hat, 4 Jahre lang. Und dann über ein Programm des UNHCR ausreisen konnte nach Europa. Auf jeden Fall, Emmanuel hat Kampferfahrungen unterschiedlichster Art im Kongo selbst, ist darauf auch bis heute ganz stark bezogen auf soziale Bewegungen im Kongo, hat dann aber vor allem die Erfahrung der Migration, der Flucht gemacht und eben nicht nur seine eigenen Erfahrungen, sondern hat eben auch erfahren und hat das auch mitgestaltet, wie sich natürlich Geflüchtete und Migrantinnen auf ihrem Weg selbst organisieren und kämpfen und für ihre Rechte kämpfen. Migration ist nicht eine einzige Entrechtung, sondern Migration ist auch immer ein Kampf, sonst würde es gar nicht funktionieren, sonst würden die Leute gar nicht vorankommen.
Und es ist auch eine politische Organisierung. Auch das wird oft unterschätzt. Und das geht natürlich in Europa auch weiter. Auch dort ist Emmanuel aktiv. Er wird also quasi erstmal über diesen Strang primär berichten. Emmanuel ist unter anderem bei Afrique-Europe Interact aktiv, ist aber weiterhin auch mit einer Gruppe von kongolesischen MigrantInnen und Geflüchteten in Marokko aktiv, die er selbst ursprünglich mitgegründet hat, bereits im Jahr 2004, 2005, das kann er mir gleich selbst nochmal genauer sagen. Auf jeden Fall, diese Gruppe ist unter anderem Träger eines Rasthauses von Afrique-Europe Interact für Frauen, die gerade die Wüste durchquert haben und sich erstmal, das ist in Rabat in Marokko, die sich da erstmal irgendwie 2-3 Monate ausruhen können und sollen, um zu gucken, wie es weitergeht. Insofern ist Emmanuel weiterhin ganz regelmäßig in Marokko und eben in Europa, wo er schwerpunktmäßig lebt. Eins weiter links, Victor Nusi aus der Demokratischen Republik Kongo. Was es mit dem Demokratischen auf sich hat, wird Victor gleich nochmal erzählen. Auf jeden Fall, Victor, den kennen wir bereits seit 2008. Und seit 2008 haben sich unsere Wege auch immer wieder gekreuzt. Victor war auch 2011 in Mali dabei, als Afrique-Europe Interact gegründet wurde. Victor ist in Kongo, aber auch außerhalb von Kongo, eine sehr bekannte Persönlichkeit. Er ist Bauer, ist also in bäuerlichen Kämpfen primär aktiv, aber er ist auch als Globalisierungskritiker zu vielen anderen Fragestellungen, beispielsweise Verschuldung, aktiv. Er kann ganz viel über unterschiedliche soziale Bewegungen im Kongo berichten, aber eben auch in anderen afrikanischen Ländern. Das möge jetzt einfach mal als Einleitung genügen. Wir haben ja gar nicht so viel Zeit. Die Idee ist, dass die beiden jeweils maximal eine halbe Stunde berichten, eher 25 Minuten, sodass wir tatsächlich im Anschluss noch die Zeit haben, zumindest vielleicht 2x4 Fragen zu stellen. Insofern, Victor Emmanuel, je vais garder le temps et je vais vous interrompre après environ 25 minutes. Chacun? Oui, j'attends-vous à 25 minutes. Qui veut commencer? Est-ce que... Victor, ok. Victor va commencer. J'ai oublié. Peut-être, vielleicht einfach nochmal einen ganz herzlichen Applaus und Empfang für die beiden Gäste. Oui, merci beaucoup Olaf, merci à vous tous qui vous avez sacrifié vos activités pour être avec nous ici. Sincèrement, je suis très ému chaque fois que je viens en Europe voir que nous avons des choses à faire en Afrique, nous connaissons beaucoup de problèmes en Afrique et que ceux qui vivent la richesse s'intéresse tout de même aux problèmes en Afrique. Bon, cette solidarité est très importante dans la mesure où je pense que surtout dans le milieu de jeunes en Europe comme en Amérique du Nord comprennent que la richesse dont ils jouissent ici fait des morts dans des pays d'Afrique, d'Asie, peut-être de l'Amérique latine. Donc merci beaucoup pour cette solidarité. Je vais parler de mouvements sociaux en Afrique. C'est une lourde responsabilité. Heureusement que pour moi, il y a beaucoup d'Africains qui sont là. Parce que comme on disait hier à l'ouverture, cette session, ce n'est pas pour entendre, écouter les gens, mais c'est pour construire tous ensemble. Donc nous sommes dans un atelier où nous tous, chacun de nous devra apporter qui une pierre si on construit une maison, qui une planche du bois si on construit une maison, et qui peut être des clés lorsqu'on doit réparer une voiture. Donc ce que je vais dire sur le mouvement social en Afrique, eh bien, les autres, ceux qui connaissent les Africains qui sont là peuvent compléter. Sinon le partenaire européen qui travaille avec, en solidarité avec le mouvement africain peuvent aussi compléter.
Les mouvements sociaux en Afrique, très souvent quand on en parle, les gens doutent et disent, mais est-ce qu'il y a des mouvements sociaux en Afrique? Oui, les mouvements sociaux en Afrique existent. Et très souvent, c'est les syndicats dont on parle. Plus on parle des syndicats, les syndicats des travailleurs, les syndicats des enseignants, les syndicats des médecins, les ouvriers. Et parfois, on oublie qu'il y a des mouvements qui luttent et qui ne sont pas organisés tels qu'on l'entend en Europe. C'est le genre de mouvement à la base. Le véritable mouvement, la véritable lutte à la base, ce sont des luttes menées dans des villages par les paysans, par les éleveurs, par les chasseurs. Le véritable lutte, et ben, on va se dire les chasseurs. Dernièrement, j'ai entendu au Mali, les chasseurs Dogon, qui se sont, pas révoltés, mais qui ont voulu défendre, qui défendent leurs intérêts. Et ça, c'est extraordinaire quand ils disent les chasseurs, mais c'est un groupe organisé parce que pour aller à la chasse, ils s'organisent. Et lorsque l'État impose des lois pour pouvoir fermer ou ouvrir la période de la chasse sans pour autant les consulter, eh bien, ils résistent, même chez moi. Les chasseurs n'acceptent pas qu'en saison sèche, colère interdit de faire la chasse, alors que c'est à cette période-là qu'on doit nécessairement faire la chasse parce que les espaces sont très restreints, on peut facilement avoir des bêtes. Alors que la loi, qui est une loi coloniale, dit le contraire, qu'à cette période-là, on ne peut pas faire la chasse. Mais ce genre de mouvements ne sont pas connus dans ces milieux. Ce genre de résistance ne sont pas connus dans ces milieux. Les résistances, à la base, c'est dans les quartiers où les mamans, les femmes commerçantes, je me rappelle encore, les femmes vendeuses, pour ne pas dire commerçantes, parce que commerçant, c'est trop grand. Je me rappelle quand il y a eu un forum social au Sénégal, les femmes qui vendent dans le marché au Sénégal, sur le marché le long de la route, on leur avait carrément demandé de pouvoir se retirer, alors que ces femmes vivent au jour le jour de cette petite activité. Et avec leurs petits syndicats, ils se sont organisés pour résister. Et dans tout le pays d'Afrique, vous avez des femmes comme ça qui résistent parce que l'État ne veut pas le voir le long des routes ou bien le marché qui sont à côté des grands immeubles et surtout lorsqu'il y a une conférence internationale. On les chasse. Et donc, ce sont des femmes qui résistent. Donc, ce genre de résistance ne sont pas connues. On n'en parle presque pas dans les médias. Simplement parce que les médias, dans nos pays d'Afrique, ce sont des médias qui ont un idéal fixe. Ce sont des médias qui, dans la plupart des cas, des médias multinationales, qui défendent une cause. Et quand ce n'est pas dans leur ligne éditorial, s'il faut le dire ainsi, eh bien, ils n'en parlent pas carrément. Quand ça va à l'encontre de leurs intérêts, lorsque les femmes manifestent pour dire « Oui, nous voulons vendre notre riz, le riz produit chez nous, que le riz qui vient de tel ou tel autre pays. C'est le riz chinois, c'est le riz thaïlandais, c'est le riz... » Mais souvent, ce riz chinois, ce riz thaïlandais ou ce riz vietnamien, c'est le riz qu'on voit, le pays qu'on voit. Mais l'entreprise qui produit dans ces pays-là, l'entreprise, l'agro-multinationale qui produit ces riz-là, et c'est souvent des agro-multinationales qui viennent de l'Europe ou de l'Amérique. Et donc, dans des médias qui appartiennent à ces structures-là, ce genre de message ne passe pas. Donc, voilà ce qui fait que très souvent, quand on parle des mouvements sociaux en Afrique, on dit, mais est-ce qu'il y a des mouvements sociaux? Mais les mouvements sociaux existent. Le mouvement social existe aussi à travers l'art. Donc, ce n'est pas seulement les résistances telles que nous le faisons sur le droit de l'homme. Donc, je prends vraiment l'extrême. C'est dont on ne parle pas. Aujourd'hui, je vais au Burkina Faso avec Tikandja Fakoli, par exemple. Mais c'est une grande résistance qu'il inocule dans les jeunes. Inoculé, c'est-à-dire que... Voilà. Il amène cette matière-là, la réflexion à travers ces chansons, c'est des réflexions qui engagent toute une jeunesse. Et voilà, toute une jeunesse
sans pour autant être organisé comme on l'entend en Europe avec une structure, je ne sais pas, coordonnateur, président ou quoi. Heureusement qu'ici où nous sommes, dans l'organisation de cette conférence, il n'y a pas un roi, un premier ministre, un président. Je crois que c'est vraiment de manière solidaire qu'on les fait. Donc je disais que le combat mené par Tikandja, c'est un combat qui stimule toute une jeunesse et une jeunesse qui fait qu'aujourd'hui en Afrique, quand vous allez au Burkina Faso par exemple, on a pu chasser les dictateurs. Vous allez au Sénégal, on a pu arrêter la démarche du président qui voulait encore se taper de mandat, sinon changer la constitution. Et ça, c'est à travers la musique. Donc, comme ça, vous avez la musique, vous avez les théâtres, le ballet citoyen au Burkina Faso, le ballet citoyen. Aujourd'hui, c'est un mouvement, tout un mouvement à travers le théâtre qui fait que partout en Afrique, les gens sont en train de s'en inspirer pour faire des mobilisations. Je sais même que les membres du ballet citoyen sont venus au Congo et le gouvernement a qualifié ces gens-là, les jeunes du ballet citoyen qui sont venus au Congo, il y en a marre, Sénégalais, ils sont venus au Congo, on les a traités de terroristes, des gens qui sont venus apprendre aux Congolais le terrorisme. Ben, oui, c'est comme ça. Donc, tous ces jeunes ont été arrêtés au Congo et à la fin, ils ont été expulsés parce qu'on devait expliquer aux politiques congolaises que, ben, écoute, ils ne font que chanter, ils ne font que faire du théâtre. Et ces théâtres existent au Congo. Ce genre de théâtre populaire existe au Congo. Ce genre de musique populaire existe au Congo. Hein, ceux qui suivent, par exemple, Wazekwa, Félix Wazekwa, ceux qui sont en France, qui suivent Félix Wazekwa, puisqu'il a beaucoup vécu en France, il a des chansons militantes qui parlent, qui interpellent le gouvernement pour dire, par exemple, « Peuple Azo Senganini, que demande le peuple ?» Le peuple demande qu'il ait accès à l'alimentation, une souveraineté alimentaire, qu'il ait accès à l'éducation, qu'il ait accès à la santé. C'est ce dont le peuple a besoin. Que ses enfants qui terminent les études puissent travailler. Félix Wazekwa chante. Et c'est des chansons très populaires comme ça. Alors j'ai dit aux politiciens progressistes que je connaissais, j'ai dit, mais si Félix Wazekwa chante ça, interpelle vous qui dirigez et mobilise la population autour des droits sociaux et économiques. Mais en quoi alors ballet citoyen, où il y en a marre, les jeunes qui viennent du Sénégal et de Burkina Faso, qui arrivent chez nous, tiennent le même langage, vous les traitez de terroristes. Pendant que les chansons de Félix Wazekwa au Congo passent à la radio. Et j'ai dit, moi personnellement j'ai dit, parce que j'avais l'occasion de faire des émissions à la radio, j'ai l'occasion de faire des émissions à la radio, à la télévision, j'ai dit aux autorités politiques congolaises, j'ai dit, mais vous vous créez des problèmes parce que ces gens-là, ils sont connus en Afrique et à travers le monde. Donc les arrêter, ça va tout simplement dénider votre politique. Ça va mettre à nu votre politique de répression. Et j'ai dit à ces dirigeants politiques, mais que font vos chargés d'affaires ou nos chargés d'affaires, nos chargés culturels dans nos ambassades? Parce qu'un ambassadeur congolais qui est au Burkina Faso et qui ne connaît pas ballet citoyen, moi, je ne sais pas en quoi il est chargé d'affaires, un chargé culturel. Un chargé culturel qui est au Sénégal et qui ne connaît pas le mouvement Yanamar du Sénégal, je ne sais pas en quoi il est chargé culturel. Donc, voilà pour dire qu'à travers l'art, et je considère vraiment l'art parce que l'art mobilise, ça nous permet, ça permet à ce que le mouvement social en Afrique puisse avoir une grande... obédience. Donc, dans les activités, les manifestations, les mobilisations, l'art a un grand rôle. Et on peut même aller plus loin. Avant le mouvement de jeunesse que nous connaissons aujourd'hui au Sénégal, je disais ça encore à Francfort, la conférence qu'on a eue la fois passée, Ousmane Sembène,
au Sénégal, et c'est vraiment à l'époque, à la vieille époque des années 60, des années 55, Ousmane Sembène a commencé à faire des films en langue locale, des vidéos en langue locale, parce qu'il a trouvé que c'était une façon de pouvoir mobiliser la population. Donc l'art joue un grand rôle, que ce soit la musique, que ce soit le théâtre, la peinture, le cinéma. Et ça, souvent, on n'en parle pas. Ça mobilise les citoyens, mais très souvent, quand on parle de mouvements sociaux en Afrique, on n'en parle pas. Sinon, on parle juste de Yann Amar aujourd'hui, vu le succès que ça fait au Sénégal, au Mali, et sinon de Balai Citoyen, vu le succès parce qu'un dirigeant, un dictateur est tombé. Mais la petite lutte à la base, dans le village, dans les quartiers, la lutte pour l'accès à la terre, très souvent, on n'en parle pas. Et comme je suis paysan, donc, je vois comment le peuple au Mali, par exemple, ou au Sénégal, sur le long du fleuve Sénégal, le long du fleuve Niger, où on voulait privatiser les terres, où les gens voulaient, les grandes multinationales voulaient s'accaparer des terres, les mobilisations qui ont eu autour de ces contre cet accaparement des terres. Mais très souvent, quand ça se passe dans des petits villages, on n'en parle pas. Je vais parler aussi des mobilisations, des mouvements sociaux qui existent par rapport à la conservation, soi-disant conservation de la nature dans les parcs nationaux. Je prends un exemple d'une ethnie, j'ai oublié le nom de l'ethnie au Kenya, où on devait confisquer les terres pour pouvoir installer un parc pour la chasse, comment on appelle ça, chasse de complaisance. Donc on devait prendre un espace où il y a des lions, des éléphants et consorts, et donner cet espace-là à un prince de l'Arabie Saoudite. Et lui, avec tous les petits riches et les voleurs d'Afrique et les oppresseurs en Europe ou en Amérique, tous ceux qui ont de l'argent, devaient se retrouver sur cet espace-là pour pouvoir tirer sur les animaux. Eh bien, cette population a résisté. Elle a résisté. Le gouvernement kényan a opprimé, a fait de l'oppression. Et ce peuple est allé même jusqu'à Genève pour pouvoir exposer son problème au niveau de la commission du Comité des Nations Unies des droits de l'homme. Et le Comité des Nations Unies des droits de l'homme a donné raison à cette population. Mais ce genre de lutte, c'est des luttes dont on ne parle pas. Sinon, en Allemagne, je crois, les attentats en Namibie, le peuple indigène en Namibie, qui ont été brimés, qui ont été... Ouais? Oui, les Herero, voilà. Qui ont été maltraités à l'époque par les colons allemands. Mais cette population a pu faire un procès contre ceux-là qui les ont opprimés et qui continuent aujourd'hui à le faire. Mais ce sont des résistances dont on parle peu. Donc voilà, des résistances existent, que ce soit sur l'agriculture. Et moi-même, sur l'agriculture, je vis dans un territoire qui est occupé par un agro-industriel belge, Gilles Van Lancker. Aujourd'hui, l'entreprise s'appelle Sogenac, mais nous savons qu'on a juste changé de nom. Ce monsieur, avec son entreprise, est là depuis 1923. Et nous sommes indépendants en 1960. Il occupe 50 000 hectares. Pour comprendre cette superficie, il faudrait que vous compreniez la superficie de votre État ici. Je ne sais pas votre État ou votre commune à quelle superficie. Comme ça, vous allez faire la comparaison. Donc, il occupe 50 000 hectares. Et c'est presque tout un pays. Hein? C'est comme la superficie du Liban, si je peux prendre comparer. 50 000 hectares, d'ailleurs, c'est plus que la superficie du Liban. Donc, cette superficie est occupée par cet agro-industriel et aujourd'hui, moi, je manque de la terre à cultiver. C'est d'ailleurs pour cette raison que je suis rentré au village. Parce que j'ai été formé enseignant, je devais enseigner,
Mais je suis rentré au village pour mener ce combat avec mes frères. Ben, le résultat, l'entreprise n'est pas encore partie. Mais au moins aujourd'hui, avec la dynamique, les stratégies que j'ai apprises au Brésil dans le mouvement des sans-terres, parce qu'on a eu des échanges avec le mouvement des sans-terres au Brésil, j'ai été plus de 5 fois au Brésil, voir comment est-ce qu'ils travaillaient, le mouvement des sans-terres. Eh bien, aujourd'hui, nous occupons les terres. Des groupes de jeunes occupent les terres dans cette ferme-là. Mais il y a des arrestations qui s'en suivent. Et pas seulement les hommes. Moi, je suis leader, mais je suis vraiment inférieur par rapport à une femme qui mène le combat-là, Maman Marie-Josée, une femme qui conduit des jeunes. Et elle est devant quand elles vont occuper les terres dans leur groupe. Et quand la police arrive, excusez-moi les femmes, elle enlève ses habits, elle reste nue et elle va affronter un policier nu, toute nue. Et ça pose des problèmes. Malheureusement, elle a été 5 fois en prison. La dernière fois, c'était l'année passée qu'on a travaillé pour qu'elle soit libérée. Donc, des luttes comme ça existent. J'ai encore quelques minutes. Encore 3-4 minutes. Bon, tu vas m'accorder un peu plus de 5 minutes. Merci. Donc, c'est des luttes, mais on ne peut pas en parler. Cette lutte, par exemple, de Maman Marie-Josée, on ne peut pas en parler parce que c'est une entreprise Givalanquer, donc Gilles Van Lanquer. Si vous regardez sur Internet, cette grande agro-industriel, ce gros agro-industriel, il dit sur Internet qu'il est technicien même pour conseiller les éleveurs au Mali, au Gabon et tout ça. Vous voyez ça sur Internet, qu'il a de l'expertise. Et il fait ce genre de consultation au Mali. Ben, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qui est écrit sur Internet. Donc, c'est pour dire qu'il est grand, il est grand. Et donc, des luttes comme ça existent. Des luttes existent aussi en matière d'habitat. Parce qu'aujourd'hui, nos villes sont en train de s'agrandir. Et on n'est pas dans la stratégie d'aller à hauteur. Donc, les villes s'agrandissent. Et vous avez aujourd'hui des promoteurs immobiliers qui arrivent et qui chassent les habitants. Et c'est des résistances que vous trouvez à Bamako, que vous trouvez au Sénégal, que vous trouvez à Kinshasa, que vous trouvez à Niamey ou au Bénin. Donc, mais c'est des luttes dont on parle peu. Donc voilà pourquoi. Mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Parce que les médias, comme je disais, les médias ont un idéal, ils ont une ligne de conduite dictée par le multinational. Mais nous avons les médias locaux. Les radios nationales, les télévisions nationales. Les télévisions nationales, les radios nationales ne peuvent pas en parler. Parce que les dirigeants sont au service de ces multinationales qui souvent viennent prendre les terres. Donc, ils n'en parlent pas. Et là, je veux que Olaf, chaque fois que tu dis en Afrique, il y a des dirigeants politiques corrompus, il faut toujours ajouter que ces dirigeants politiques corrompus avec la complicité des dirigeants politiques au nord ou des multinationales. Parce que tout ce qu'ils volent est gardé dans ces pays ici. Donc, j'aimerais toujours qu'on le dise, parce que très souvent, on le dit, les dirigeants politiques corrompus. Tu sais, bon, je sais que nous savons ça tous, qu'avec la corruption, mais il faut qu'on forme une phrase pour citer ça. Donc, dans l'habitat, aujourd'hui, les promoteurs immobiliers font tout pour chasser les populations. Et ça aussi, je vais prendre un exemple à Kinshasa, où un promoteur immobilier est en train de construire ce qu'on appelle la cité du fleuve. Encore 2 minutes. Oui, ouais, je vais arrêter. Ouais. La cité du fleuve. Et donc, il est allé, il a carrément chassé les femmes qui faisaient le maraîchage là-bas, qui plantaient les riz là-bas. Et aujourd'hui, il est en train d'élever des immeubles sur l'île, dans une île entre Kinshasa et Brazzaville. Et donc, ça constitue aussi, là, on est en train de résister. Donc, le média, souvent, n'en parle pas, parce que ce sont des médias, même au niveau national, avec des dirigeants corrompus, mais soutenus par des multinationales au nord, donc on n'en parle pas. Mais nous avons aussi des médias privés, et malheureusement, le média privé pour nos luttes, même si les radios, les télévisions sont sur satellite, malheureusement, nous n'avons pas l'argent pour pouvoir payer. Parce que le média privé, pour donner une information, vous devez payer. Et nous, on n'a pas cet argent. Et j'ai donné un exemple hier, là où on était pour le film. Moi, j'ai fait une émission à la radio, Paysan face à la mondialisation, mais c'est en Kikongo, en langue nationale. Sinon, à Kinshasa, j'ai fait l'émission
paysan, donc congolais, lève-toi, debout congolais au éveil des consciences. Mais au village où j'ai fait paysan face à la mondialisation, moi j'ai 1h30 par semaine. Et où je parle avec le paysan de tous ces conflits qu'il y a entre l'agriculture moderne, soi-disant, et l'agriculture traditionnelle. L'accaparement des terres, sinon le pesticide et tout cela. J'ai 1h30 avec mon groupe, avec tout un peuple. Mais il y a un monsieur qui fait l'émission pour faire la promotion des pesticides, des engrais, de tous les produits chimiques. Et lui a 4 heures par semaine. 4 heures, et lui il paye. Il paye. Mais parce que nous, et lui il le fait à 1 heure stratégique, à 20 heures, le soir. Tout le monde est à la maison. Mais nous, notre mission, comme nous ne payons pas, nous n'avons pas de l'argent à payer, nous avons l'émission chaque dimanche à 14h, 14h à 15h, et chaque jeudi de 17h30 à 18h, pendant que les paysans sont dans les champs. Mais celui-là, l'autre, il a l'argent, et bien lui, il passe à l'ère stratégique. Donc voilà un peu le problème dans les médias. Donc peut-être que je vais terminer par là et l'autre va compléter. Donc la solidarité est très importante. Les mouvements sont là, les résistances sont là. D'ailleurs, le dernier combat. Aujourd'hui, je crois que les Togolais, à tout moment, ils sont en train de manifester à Paris. Et ça se passe en relais avec ce qui se passe au Togo. Au Congo, on est en train de manifester malgré Kabila qui tire sur les gens. Il tire sur les manifestants. Il tire sur tous les jeunes qui sont en train. Il arrête. Mais nous continuons le combat. Et comme on disait hier, moi, je n'ai pas peur. Je suis déjà mort. J'ai 54 ans. Bon, pour moi, ça suffit. Nous allons, vous les jeunes, vous allez prendre la relève. Parce que ce n'est pas sûr, quand je vais rentrer chez moi, qu'on ne va pas m'arrêter. Mais je ne me décourage pas. Mais chaque fois aussi, ceux-là qui me voient, ils disent, « Ah oui, toi tu parles parce que tu vas souvent en Amérique, tu vas souvent en Europe, donc c'est pourquoi tu parles, mais un jour on t'aura. » Ils les disent, oui, j'ai dit, oui, ces jours-là, quand ça viendra, bon, ça va. Mais il y a d'autres victoires qui vont naître. Donc, on n'a pas cette peur, mais ce qui est vrai, que nous devons la solidarité, nous devons nous faire la solidarité. Bien sûr que malgré cette solidarité, malgré le nom du Nord, le fameux soutien du Nord dont il parle, Chebeya, qui était un grand activiste des droits humains, Floribert Chebeya, qui était connu dans le monde en Afrique, un grand défenseur des droits humains au Congo, bon, il a quand même été assassiné. Mais nous disons, comme on n'est pas encore assassiné, on n'est pas encore tué, eh bien, l'espace qu'on nous donne, comme disait Boniface hier, profitons de cet espace maintenant. Mais je sais que nous finirons par vaincre. Nous finirons par vaincre parce que nous sommes nombreux. Prenons conscience. Aujourd'hui, les médias sociaux facilitent la tâche, bien que je ne sais pas les utiliser. Bon, je suis trop villageois, mais je vais quand même changer. Mais soyons engagés. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Emmanuel, wir haben ja die Einleitung gemacht, alle wissen, worüber du redest. Mach einfach direkt weiter. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je voudrais d'abord dire merci à Olaf, dire merci aussi aux organisateurs et aux organisatrices de cette conférence qui nous donne l'occasion d'être ici. Et effectivement, comme Victor vient de dire, il y a des mouvements de base en Afrique qui se battent nuit et jour. Et souvent, ce qui se passe normalement dans des petits villages ou à l'intérieur du pays, comme on dit chez nous, c'est-à-dire au niveau des provinces, ce sont des luttes qui ne sont même pas connues, qu'on ne parle pas. Et aussi, quand les gens mènent ces luttes-là, ils sont arrêtés, ils sont même assassinés. Et Victor vient de parler de Tchabeya. C'est parce que Tchabeya était connu au niveau international. Il faut dire qu'il y a beaucoup aussi qui ont été tués et qu'on continue à tuer. Ce qui fait que les gens mènent des luttes, à un moment donné, ils sont obligés de prendre la fuite. Et quand ils prennent la fuite, ils se mettent sur la route des migrations. Alors moi qui suis ici, je fais partir, je ne sais pas souvent me définir si je suis un fuyard,
ou bien, oui, comprenez. Donc, je fais partie de ceux-là qui ont commencé, qui ont mené des luttes au niveau du Congo, et c'était en province, en Bujumaï. Et c'est cette lutte qui va me conduire sur le chemin de l'exil. Et quand j'arrive sur le chemin de l'exil, je vais trouver qu'il y a encore des barrières construites et on ne pouvait pas nous donner l'occasion d'aller dans un pays de notre choix pour pouvoir demander l'asile. C'est ainsi que je me suis dit, je vais continuer avec la lutte, commencer au Congo. Alors, quand je prends le chemin de l'exil, après beaucoup de temps, après beaucoup, presque 2 ans de route, je me suis retrouvé au Maroc. Et là, je pensais que je pouvais demander l'asile, je pouvais recommencer ma vie. Mais malheureusement, quand j'arrive, je vais trouver encore une situation difficile. C'est-à-dire qu'on trouve au Maroc, j'ai trouvé des amis, il y a des amis migrants qui étaient là. Mais on était obligé de se réfugier dans des ghettos. On ne pouvait pas sortir, puisque sortir, c'était prendre le risque d'être arrêté et d'être refoulé. Et il y avait des mouvements d'arrestation, il y avait des refoulements qui se faisaient à tout moment. Alors, quand je me retrouve dans cette situation, je me suis dit que je ne pouvais pas croiser les bras. Il va falloir que cette lutte que nous avons commencée à l'intérieur du pays au Congo, il va falloir mener maintenant cette lutte ici au Maroc. Et cette lutte qu'on va mener au Maroc, ce n'était pas seulement pour demander qu'on nous donne les papiers ou bien pour montrer que nous existons, mais c'était une lutte aussi pour rappeler à ceux qui nous fermaient des frontières, à ceux qui ne voulaient pas qu'on soit libre, que, écoutez, ici au Maroc, vous avez accueilli des dirigeants africains qui ont créé des dégâts. Vous savez bien, le président Mobutu, qui a créé beaucoup de dégâts politique et économique, a été accueilli au Maroc avec sa famille et il a eu l'asile. Mais par contre, ceux et celles qui fuient les dégâts provoqués par Mobutu n'avaient pas droit de rester au Maroc. Alors on a commencé cette lutte pour dire aux Marocains, pour dire aux autorités marocaines que voilà, nous sommes là parce que vous avez accepté les dictateurs qui ont détruit le pays pour qu'ils soient ici. Vous avez aussi l'obligation de nous accepter aussi. Et nous avons commencé la lutte au Maroc et on a créé une association qui était appelée ARCOM, c'est-à-dire Association des réfugiés et demandeurs d'asile congolais au Maroc. Nous avons créé cette association pour mener des luttes, pour revendiquer la liberté de circulation, pour dire aussi que, parce que quand nous avons commencé la lutte, nous avons trouvé aussi que toutes les violences qu'on subissait au Maroc, il y avait aussi la main de l'Union européenne. Avec cette politique d'externalisation des frontières, l'Union européenne était en train de payer, donc de financer le Maroc pour qu'il puisse arrêter les gens, pour qu'il puisse, pas arrêter jamais, pour qu'il puisse nous arrêter, nous, et nous expulser dans les déserts. Alors nous avons commencé cette lutte pour dire aussi non à cette politique d'externalisation de l'Union européenne et aussi dire à l'Europe que c'est bien de financer le Maroc pour bloquer les frontières, mais il faut aussi s'interroger sur les relations de cause à effet. Pourquoi nous sommes là? Il ne faut pas oublier les dégâts que vous avez créés dans nos pays depuis le temps de l'esclavagisme, jusqu'en passant par la colonisation, jusqu'à ce moment. Il y a toujours des dégâts politiques et économiques que l'Europe est en train de commettre dans nos pays africains. Alors, nous avons commencé cette lutte pour montrer cela. Et quand nous avons fait, quand nous avons créé notre association, puisque c'était la toute première association autogérée des migrants au Maroc, il faut dire que la chose, ça n'a pas été facile de monter une telle structure, puisqu'on faisait face régulièrement aux arrestations et aux refoulements. Mais nous, quand nous avons commencé à travailler dans notre association, nous sommes allés vers les associations marocaines des droits de l'homme pour leur dire qu'il y a les droits de l'homme pour tous et pour toutes et pas uniquement pour les Marocains. Donc si vous menez des luttes pour les droits de l'homme, vous devez aussi savoir que nous, les migrants, nous sommes là et vous devez aussi tenir compte de notre présence, militer aussi
pour défendre nos droits. Et c'est ça la lutte que nous avons menée au Maroc. Et pendant cette lutte, on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester seulement enfermés dans des ghettos, il fallait sortir. C'est ainsi que nous avons organisé aussi des mobilisations. Et la toute première mobilisation organisée, c'était devant le bureau du HCR. Nous avons fait un sit-in, puisque chaque fois que nous étions arrêtés et refoulés, bien qu'on avait les statuts de réfugiés du HCR, mais on n'a pas vu un seul jour le HCR prendre la parole pour dénoncer cet état de choses. Il disait non, voilà, s'il parlait, les autorités marocaines allaient fermer leur bureau. Alors nous avons dit comme ça, comme vous ne pouvez pas parler, nous allons parler à votre place. Et nous sommes allés devant les bureaux du HCR, nous avons manifesté. Et il faut dire que cet endroit, c'était aussi un endroit stratégique, puisque le siège du HCR au Maroc se situait, à l'époque, c'était à un endroit où, donc juste à côté d'une route, que le ministre et aussi certains officiers militaires prenaient pour aller dans leur bureau. Alors nous avons mené cette lutte-là. Pendant qu'on faisait la manifestation, il y avait des ministres, il y avait des policiers qui passaient, et nous étions là avec des banderoles, avec des tracts, et on a pris même le courage de jeter des tracts dans les véhicules des policiers. Donc c'était la toute première fois qu'au Maroc, on a vu une telle résistance. Avec cette résistance, nous avons aussi occupé l'Église catholique au Maroc pour dire aussi à l'Église que vous avez une responsabilité morale de défendre les personnes marginalisées. Mais nous, quand nous étions là, on n'a pas vu l'Église prendre la parole pour nous défendre. Et nous sommes allés très loin, puisqu'on a organisé aussi une manifestation devant le Parlement marocain. Voilà les luttes que nous avons menées. Et à cause de cette lutte, il y a des organisations marocaines qui sont venues vers nous. Nous avons commencé à lutter ensemble. Et nous leur avons dit, nous n'allons pas vous laisser. Nous allons nous battre ensemble. Ce qui fait que pendant la révolution, le printemps arabe, je vais vous dire qu'au Maroc, il y a eu deux migrants qui se sont battus, qui sont descendus dans la rue aux côtés des Marocains pour dire nous voulons qu'il y ait aussi le changement ici au Maroc. C'est-à-dire, nous avons aussi soutenu la lutte pendant la révolution, le printemps arabe au Maroc. Donc ce sont des luttes que nous avons menées. Et cette lutte continue aussi ici en Europe. Depuis que je suis là, on n'a pas croisé les bras. On a commencé la même lutte au sein de l'Afrique Europe Interact. Et je crois qu'au sein de l'Afrique Europe Interact, vous allez voir qu'il y a des migrants qui luttent nuit et jour. Et non seulement comme c'était dans les temps, parce que les luttes des migrants dans les temps, c'était uniquement pour demander qu'on donne les papiers, qu'on nous accorde les papiers. Maintenant, ce n'est plus uniquement pour demander le papier, mais maintenant, c'est une lutte que nous sommes en train de mener pour informer aux citoyens et citoyennes européens la situation qui se passe dans nos pays et aussi pourquoi cette situation se passe comme ça. Comme Victor vient de dire, il y a des multinationales qui sont là, qui créent les dégâts, et en même temps, il y a des entreprises et donc des dirigeants européens ici qui soutiennent des dictatures en Afrique, qui mettent des gens au pouvoir en Afrique et qui continuent à soutenir ces gens-là. Alors, c'est une lutte que nous sommes en train de mener aussi pour revendiquer à l'Europe de mettre fin à leur soutien aux dirigeants dictateurs et aussi de mettre fin au pillage de l'Afrique par les sociétés multinationales. Alors, vous comprenez que la lutte s'est diversifiée maintenant et il y a beaucoup d'organisations, il y a beaucoup d'associations autogérées. D'abord au Maroc, on a commencé avec l'ARCOM, mais après l'ARCOM, il y a beaucoup d'associations qui sont créées encore. Il y a des mouvements des femmes qui sont créés. Et aujourd'hui, au Maroc, quand vous arrivez, vous allez voir qu'il y a une résistance. Et moi, j'ai dit souvent, le Maroc est devenu aujourd'hui les bastions de la lutte de migrants. Parce qu'on lutte là-bas, on mène des luttes, on continue à lutter sur tous les fronts. Et si vous arrivez au Maroc, il y a des organisations de femmes migrantes qui mènent encore des luttes pour revendiquer leurs droits, qui mènent encore des luttes pour montrer à la face du monde que nous sommes là parce que vous détruisez nos pays. Ce sont des luttes qu'on est en train de mener. Et ici, en Europe, déjà au niveau de l'Afrique Europe Interact, je crois que vous voyez, il y a des mouvements, il y a des organisations, il y a des luttes qu'on est en train de mener sur plusieurs formes. Il y a des gens qui écrivent, c'est le cas avec moi où j'ai écrit ce livre. C'est écrit en français et en allemand.
En allemand, c'est mon chemin du Congo vers l'Europe. Et en français, c'est réfugié une odyssée africaine. Et il y a aussi d'autres personnes qui écrivent aussi des livres. À part ça, il y a aussi des luttes qu'on mène à travers les théâtres, à travers le film. Ce sont des luttes qu'on est en train de mener pour non seulement se plaindre que nous sommes là, nous avons besoin des papiers, nous voulons nous intégrer, mais non, on mène ces luttes, on écrit, on fait des films, on fait des théâtres pour montrer à la fois pourquoi nous sommes là et pour montrer pourquoi les gens sont obligés de quitter leur pays pour venir. Et en même temps, on lutte aussi pour la liberté de circulation. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, ici en Allemagne, si les citoyens allemands et allemandes que vous êtes, vous voulez partir en Afrique, je crois que dans beaucoup de pays, vous avez besoin seulement de votre passeport et vous arrivez là-bas, on ne vous demande pas les visas. Mais pourquoi les Africains, pour venir ici, ils doivent avoir les visas? Et ces visas-là, ce n'est pas facile d'obtenir les visas en Afrique pour venir ici en Europe. Alors voilà pourquoi nous sommes en train de mener des luttes ici pour revendiquer la liberté de circulation. Et je vais faire encore un pas en arrière pour terminer. Et qu'au Maroc, depuis 2015, nous avons, en tant qu'Afrique Europe Interact, nous avons créé un centre d'hébergement de femmes migrantes. Et le centre, hélas, on offre l'hébergement temporaire aux femmes qui viennent d'arriver, mais ce centre est devenu non seulement un endroit où les femmes viennent pour se reposer, mais c'est devenu aussi un endroit pour des résistances de femmes, puisque en ce moment, nous avons créé un atelier où les femmes se rencontrent une fois par mois. Elles arrivent à parler, à échanger et à lutter aussi. Pourquoi ils sont là? Pourquoi on ne veut pas leur donner des papiers? Pourquoi ils doivent se retrouver dans une situation telle qu'ils sont bloqués, ils ne peuvent plus avancer ni reculer? Donc c'est devenu aussi un endroit de résistance. Voilà autant de résistance que nous sommes en train de mener. Et je crois, j'ai fini, peut-être que dans les débats, on peut discuter s'il y a des questions. Ja, erstmal herzlichen Dank auch von meiner Seite. Jetzt haben wir tatsächlich noch eine halbe Stunde Zeit, um Fragen zu stellen, Ergänzungen zu machen. Es sind ja auch andere Aktivisten und Aktivistinnen aus afrikanischen Ländern hier im Raum, vielleicht auch einfach Ergänzungen, dritte Erfahrungen. Insgesamt wäre es wahrscheinlich gut, wenn wir uns alle jeweils kurz halten, damit möglichst viele zu Wort kommen und auch die beiden hier auf dem Podium auch nochmal Antworten oder Ergänzungen oder Vertiefungen machen können. Wegen der Übersetzung immer gerne mit Mikrofon sprechen. Von daher stelle ich mich mal jetzt schon mal ein bisschen hier vorne hin. Wer würde gerne den Anfang machen? Auf Deutsch, Elena. Also vielen Dank erstmal für eure Berichte. Ich habe mich gefragt, vor allem als Victor erzählt hat, was entweder ja, diese nicht so stark organisierten Bewegungen brauchen oder nutzen, damit sie ja, so als Unterstützung oder eben umgekehrt gefragt, was hinderlich ist, dass so Gruppen, die nicht so formal organisiert sind, trotzdem irgendwie Gehör finden oder sich eben untereinander vernetzen können. Dankeschön. Wir können ja einfach mal sammeln. 2, 3, 4. Alassane. Merci, bonjour. Je voulais demander à Victor, bon, merci pour vos présentations. Victor, je voulais savoir à quel niveau tu situes le fait que tu t'es présenté à l'élection présidentielle. À quel niveau de la lutte tu situes ça? Comment tu expliques ça? Merci. Vielleicht kannst du ja... Je me suis présenté à l'élection présidentielle. Oui, tu as voulu te présenter, non? Oui, mais à la députation, oui. Okay. Donc, tu vas expliquer. Ouais, attends. Ok. On travaille du micro, sinon on ne peut pas traduire. Ok, ça va. Ok. La question est clarifiée et Victor va répondre. D'autres
Andere Fragen, Anmerkungen? Das noch nicht. Ein Drittel noch? Merci aussi. Comment est-ce qu'on peut s'imaginer l'oppression en Afrique, dans les pays que vous connaissez, de la partie de la police, du gouvernement, des concernes internationaux? Ok, une vierte noch et dann machen wir mal vorne weiter. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite nochmal. Ich fand es sehr spannend. Mich würde noch interessieren, wie die Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung in Marokko ausgesehen hat. Gab es da einen engen Austausch zwischen eurem gegründeten Verein und eurer Initiative oder wart ihr da ziemlich Einzelgänger? Okay, zwei Fragen an Viktor, eine an Emmanuel, eine an euch beide. Vielleicht, Viktor, möchtest du anfangen? Oui, merci. Et donc, je vais commencer par l'oppression. Bon, je pense que l'oppression, ça, dans le mouvement, bon, quand on parle de l'oppression en Afrique, c'est vrai qu'en Afrique, très souvent, la police tire à balles réelles et ça tue. Ça, il y a beaucoup de morts. Mais ici, j'ai été dans une manifestation à Hambourg, je crois, où on a été, on a subi l'oppression, ici en Europe. 2008. Ouais, voilà. Donc, on nous a jeté de l'eau et tout ça. Et les amis devaient me protéger parce que, bon. Donc, l'oppression existe. Je vois encore sur le droit de paysans et de peuples indigènes aux États-Unis, je crois que c'est dans l'État de Dakota actuellement, où on doit construire un oléoduc aux États-Unis. Et Trump est en train de malmener le peuple indigène là-bas. Donc l'oppression, c'est seulement par rapport à la catégorisation des violences, hein, comme on l'a dit avec les ouragans. L'Allemagne, c'était 120 km/h ou 110 km/h hier, le vent. Ça paralysait. Aux États-Unis, c'était 200 km/h l'ouragan. Donc voilà un peu, c'est ça le niveau d'oppression. Mais l'oppression, qu'elle soit, elle n'est pas petite. L'oppression, c'est l'oppression. Qu'elle se passe en Europe ou en Amérique, et lorsque le peuple réclame, revendique le droit, je crois qu'on n'a pas droit d'opprimer. On n'a pas droit d'opprimer. Donc, sinon, alors, lorsque les dirigeants, nos dirigeants politiques, ceux-là qui oppriment, mais lorsqu'ils commettent des fautes graves, ils signent des contrats bidons. Mais comment nous devons les sanctionner? Pourquoi ils nous sanctionnent et eux, ils ne veulent pas être sanctionnés? Donc l'oppression, c'est un peu partout. Mais seulement ce que je peux dire, pour le cas de l'Union européenne, par exemple, c'est qu'il y a eu pendant, je crois, 3 ans ou 4 ans, un projet de l'Union européenne qui formait des policiers au Congo. Mais curieusement, donc les dirigeants, les leaders des policiers, mais curieusement, ces gens-là formés, quand ils allaient dans leurs troupes, ce sont ces policiers-là qui opprimaient la population. Et c'est là où nous avons besoin de la solidarité pour interpeller les dirigeants politiques de l'Union européenne pour dire, mais quel est le résultat de ceux qui ont été formés, la police qui a été formée au Congo? C'est ça aussi l'histoire de formation. Est-ce que la formation des policiers doit venir de l'Union européenne? Voilà, c'est la formation, donc l'éducation. Quel genre d'éducation il faut donner? Quel genre de formation? Est-ce que c'est la forme? C'est tout à fait normal. La police de l'Union européenne, pour défendre les intérêts de l'Union européenne, en tout cas ne peut former le policier là-bas que dans le sens de défendre les intérêts de l'Union européenne. Donc, mais on peut interpeller là-dessus. Donc l'oppression, elle est là. C'est vrai qu'elle est trop intense, ça fait des morts, c'est inexplicable, mais on ne recule pas. Par rapport aux bénéfices des mouvements à la base, qu'est-ce qu'ils gagnent? Oui, mais qu'est-ce qu'on gagne?
c'est la vie. C'est la vie ou la mort. Quand lui est parti du Congo, parce qu'il a été opprimé, mais il savait qu'en s'engageant sur la route des migrations, il savait qu'il allait affronter les déserts. Et la température dans les déserts, c'est 45 degrés. Ça, il savait. Il savait que ça allait être difficile. Et que dans la mer, dans l'océan, ça allait encore être pénible. Il savait. Lui, il est instruit. Il savait que quand on arrive en Europe, les migrants ont des problèmes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On vient ici, il y a des problèmes. Au pays, on a des problèmes. Bref, on s'est dit, bon, écoute, j'ai besoin de la vie. Là où je l'aurai, je m'engage. À part le droit de pouvoir circuler. Donc, qu'est-ce qu'ils gagnent? Ceux-là, ils doivent continuer à manifester à la base. Parce que tout ce qu'ils peuvent gagner, normalement, ils doivent gagner. Parce que dans tous les pays, j'ai la constitution là-bas, dans tous les pays, le peuple, à la base, on a droit à la terre. Nous, nous avons droit à la terre. Dans la constitution du Congo, je crois, dans toutes les conditions, nous avons droit à un environnement sain. À un environnement sain. Mais est-ce qu'on nous donne un environnement sain? Avec tous les dégâts de l'uranium au Niger, par exemple, les dégâts de l'exploitation de l'or dans mon pays ou au Mali avec l'usage du mercure. Mais ça pose des problèmes. Les dégâts, je n'ai pas parlé des combats menés au Nigeria par le peuple agonie par rapport à l'exploitation du pétrole, les dégâts causés là-bas. Mais qu'est-ce qu'on gagne? Mais ce qu'on doit gagner, c'est pouvoir jouir de ces droits fondamentaux. Ce sont des droits. Eh bien, on doit continuer à mener le combat, quelle que soit la répression. Mais en tout cas, on sait qu'on finira par, par gagner. Comment soutenir? Bon, moi, je pense que les actions, on en parle. On a eu des petits problèmes, des petits soucis parce que l'ami n'était pas là. Ailleurs où j'étais, j'ai montré, par exemple, les cobayes, les femmes qui n'ont pas assez de terre, mais qui ont besoin de protéines animales ou végétales. Alors, je disais, on peut élever des cobayes. Des cobayes, donc... les petites bêtes, comment on appelle ça, cochons d'Inde, les cobayes. Ce qu'on utilise dans les laboratoires pour faire les expérimentations. C'est rare, ces souris-là. Bon, ici, on disait, ah bon, on mange ça. Oui, on mange ça chez nous. Et donc, ce genre, c'est des petites activités qui ne demandent pas des gros investissements. Et ça, ça peut être soutenu par n'importe qui d'entre nous. Ce sont des petites activités qu'on peut soutenir. Sinon, des femmes qui veulent produire la protéine animale par rapport au soja. Ce sont des petites activités qu'on peut soutenir. Lutter contre la vitamine A qu'on donne avec le vaccin, mais produire la papaye, le fruit. Ce sont des petites activités qu'on peut soutenir. Alors, les grands mouvements dans l'organisation, ce qui est vrai, les grands mouvements dans l'organisation, parce qu'il y a un problème quand on parle des mouvements sociaux. Je suis enseignant d'histoire et sciences sociales. Donc, j'ai fait l'histoire et les sciences sociales. Ça devait être ma profession, enseignant. Un mouvement peut être structuré, donc hiérarchisé, et d'ailleurs, ça crée des problèmes dans les mouvements sociaux. Mais un mouvement peut être aussi un mouvement spontané. Ça peut être spontané. C'est-à-dire des gens qui subissent la violence, l'oppression, et qui... d'un coup, comme une étincelle, c'est un seulement qui dit, ben, écoute, on en a marre. Et tout le monde dit, oui, on en a marre. Et c'est parti. Et c'est comme ça que vous voyez dans des universités, des mouvements qui partent comme ça. Le temps. Donc, bon le temps. Donc, c'est-à-dire qu'on peut le soutenir dans la structuration telle qu'ils veulent se structurer, mais soutenir les actions, par exemple, par rapport à la médiatisation. Sinon, soutenir des actions telles que, par exemple, la médiatisation, écrire dans des journaux, faire les relais avec les radios, les télévisions qu'il y a ici. Les films, par exemple, on réalise beaucoup de films. J'ai vu un film hier sur celui qui a trouvé une solution au Burkina Faso pour lutter contre la désertification. Mais ce film, comment vous pouvez s'y soutenir? Nous n'étions que, je ne sais pas, 12 hier dans la salle. Mais voilà, c'est un film qu'on peut diffuser un peu partout. Et voir comment ce film-là peut, le réalisateur ou alors l'acteur principal, comment il peut avoir des moyens pour continuer à planter. Nous avions fait un film sur la dette
le salaire de la dette, dette et environnement, réalisé par un, avec un réalisateur français. On montre l'exploitation de l'or au Mali, on montre l'exploitation de l'uranium au Niger, on montre l'exploitation de la forêt et l'exploitation des minerais, le pillage des minerais au Congo. Bon, je suis parmi les intervenants dans ce film. Mais ce film, je ne peux pas le diffuser au Congo dans d'autres radios, bien que c'est protégé par Arte, TV5, tout ça. Mais nous le diffusons quand même. Mais ce film est là pour le passer dans des radios, des chaînes locales. Il faut payer. Mais parfois, je passe cet argent-là. Mais il faut payer. Le temps. Donc, je crois que je peux terminer par là. Oui, j'ai manqué, excuse-moi, j'ai manqué deux éléments. Très souvent, le mouvement social en Afrique, on dit « Ah oui, c'est lié à la religion, c'est lié à la religion. » Un mouvement lié à l'Église, oui. Mais les gens oublient, en Europe ici, on parle de mouvement de sans-terre au Brésil. Mais le mouvement de sans-terre au Brésil a bénéficié de l'appui de la commission pastorale de l'Église catholique et les autres églises en Amérique latine. L'Église catholique et les autres églises dans les commissions des terres, je crois Dieter connaît ça, a beaucoup appuyé le mouvement jusqu'à faire un grand mouvement au Brésil des sans-terres. Mais très souvent chez nous, quand on parle de kimbanguistes, par exemple, Simon Kimbangu, qui a résisté déjà à l'époque, 1921, ou Kim Pavita, la dame de fer, le genre de Jeanne d'Arc, et c'est là le soutien. En 1776, une femme dans la région Congo, Angola, Congo-Brazzaville et Kinshasa, avait été brûlée avec son enfant au dos. On l'a mis sur le feu, vivante, avec son enfant, elle a été brûlée. Ici en France, on parle de Jeanne d'Arc. Mais cette femme, on n'en parle presque pas ici. Mais c'est une femme qui a résisté contre ce qu'on disait dans l'évangélisation. Vous dites, vous venez civiliser, vous amenez le christianisme. Mais c'est quel christianisme où vous devez tuer les gens? Mais c'était déjà à cette époque-là. Et je rappelle ça pour dire que l'Afrique, c'est un continent de résistance, c'est un continent de mouvements sociaux dans l'histoire même. Kim Pavita, on n'en parle pas. Mais alors qu'à cette époque-là, 1776, donc 1776, déjà, Kim Pavita luttait. Mais on dit, ah, c'est l'Église, c'est lié à l'Église. Donc voilà, mais l'Église, c'est quoi? L'Église, c'est quoi? C'est un mouvement. Mais ce qui est vrai, que on ne doit pas simplement accepter des dogmes de l'Église. Et nous, les mouvements liés aux Églises, ce sont des mouvements aussi qui sont indépendants, mais qu'on ne veut pas tenir compte quand on parle de résistance en Afrique et en Europe. Bon, je crois que j'ai répondu aux questions, je ne sais pas. Il y a une question presque à tout, il y avait une question de Alassane, mais d'abord c'est Emmanuel, simplement pour partager un peu le temps. Oui, je vais répondre, c'est la question des coopérations avec la population marocaine, quand j'étais au Maroc. Oui, il faut dire que au début, il y avait un peu de résistance de la part de la population. Mais à un moment donné, il y a des gens engagés qui nous ont soutenus. On a commencé à coopérer et même cette coopération continue jusqu'à aujourd'hui puisqu'on a vu que réellement, ce que nous faisons, c'était pour une cause noble. Et je me souviens même un jour, en 2006, il y avait rafle, on avait arrêté des gens, nous avons appelé quelqu'un, un Marocain qui est dans une organisation qui soutenait les migrants. Il est venu, bon, ils sont venus avec quelques membres aussi, ils sont partis au commissariat de la police pour demander la libération de nos amis. Et là, les amis aussi, donc les migrants qui étaient dans les quartiers, on a sensibilisé, nous sommes partis ensemble. Et après, cet ami marocain m'a dit une chose, il a dit, Emmanuel, ce que vous menez comme lutte ici au Maroc, je crois que les Marocains, normalement, ils vous doivent du respect. Pourquoi? Parce que vous avez compris avant, dans vos pays, et vous n'avez pas croisé les bras, vous vous êtes mis dans la lutte. Et les jours où les Marocains comprendront aussi, je crois que ça sera aussi un grand changement ici au Maroc. Et effectivement, vous savez, c'était la toute première fois au Maroc de voir
de migrants manifestés. Et je peux dire que cela a créé aussi, a eu aussi de l'impact, puisque après, vous connaissez l'histoire, après, pendant le printemps arabe, il y a eu des révoltes. Et pendant ces révoltes, on était aussi à côté des Marocains. On était à côté des Marocains, on a dit qu'on ne pouvait pas laisser les Marocains seuls, puisque leur lutte, c'est aussi notre lutte, et notre lutte, c'est aussi la lutte des Marocains. Et ensemble, on a commencé à lutter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au Maroc, il y a cette interconnexion, il y a cette coopération entre les organisations des migrants et celles des Marocains. Oui, la question de l'oppression, c'est vrai. Et c'est vrai, partout il y a toujours de l'oppression, surtout quand on lutte contre les systèmes qui est très fort. Vous savez, nous, on lutte, nous sommes là sans défense. On n'a pas d'armes, mais notre arme, c'est notre parole, c'est notre conviction qu'une autre situation est possible. Et quand on mène cette lutte, on se fait toujours arrêter, on se fait toujours expulser. Et c'est le cas que nous avons vécu d'abord dans notre pays, même le Congo. On a commencé le mouvement de résistance. Des fois ici, on ne parle pas. Quand nous avons commencé la lutte au Congo, ça n'a pas commencé seulement dans les années 1990 avec les changements intervenus au niveau international, mais la lutte au Congo a commencé depuis de longues dates. Déjà dans les années 1964-65, il y a eu déjà des étudiants qui se sont battus, qui comprenaient déjà que Mobutu était en train d'instaurer la dictature au Congo et que ceux qui soutenaient Mobutu pour besoin de la cause, puisqu'ils avaient besoin de quelqu'un au pays acquis à leur cause pour pouvoir trouver les matières premières afin de faire fonctionner les industries ici en Europe. Alors, ils ont laissé Mobutu faire des choses, mais il y a eu des étudiants qui se sont levés pour manifester et ils ont été arrêtés. Il y a à l'époque un procès qu'on appelait le procès Calmer, donc il y a eu déjà qui ont été arrêtés, qui ont été même condamnés, d'autres même ont été assassinés. Et ça continue. Et dans les années 1990, c'est là que nous aussi nous avons commencé, on ne nous a pas laissé la liberté. C'est-à-dire que chaque fois que vous descendez dans la rue, vous devez vous mettre en tête que vous allez manifester et que la chance de retourner à la maison est minime. Mais comme Victor a dit, on ne peut pas croiser les bras. Il faut toujours lutter quand on s'est déjà engagé, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a la vie et il y a la mort et on ne peut pas craindre. C'est ça. Et la violence policière, c'est fréquente en Afrique. Je voulais répondre à la question sur la politique qu'il a posée, Hassan. Oui, la politique. Bon, en fait, moi, j'ai fait la politique. Et ce que nous faisons ici, c'est de la politique migratoire. Mais la politique, c'est la gestion de la cité. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut donner une autre définition de la politique étymologiquement. C'est la gestion de la cité. Et chaque citoyen doit participer à la gestion de la cité. Et donc, j'ai dit, je peux participer à la gestion de la cité en étant, par exemple, député. Je me rappelle, en Belgique, je fais partie du réseau aussi de la dette, Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Je suis passé plus de 7 fois au congrès belge avec d'autres amis du Niger, du Mali et tout cela pour expliquer aux congressistes belges les dégâts causés par l'Union européenne et la Belgique dans nos différents pays, au congrès belge. Mais si nous sommes allés là, la tâche nous a été facilitée par un député progressiste, un sénateur, Pierre Galland, qui était du mouvement associatif et qui était devenu sénateur. Grâce à ses contacts, il a joué que nous puissions chaque année expliquer au Congrès belge nos luttes que nous menons dans nos pays et tous les dégâts causés. Donc voilà pourquoi je disais, mais pourquoi ne pas être là? Et en fait, ce n'était pas ma volonté d'aller au Parlement, mais c'est la population. Une fois, j'ai été agressé par un monsieur
Parce qu'un véhicule s'était embourbé dans la boue, le véhicule, les camions ne pouvaient plus passer. Alors je suis allé, je vais faire des images pour mon émission, une vidéo. Et le monsieur a jeté sur moi un sac de plus de 40 kilos, il a jeté ça sur moi. Il dit non, mais tu viens filmer quoi? Mais tout ça c'est toi, on t'avait demandé d'être candidat, d'être au Parlement. Chaque fois tu refuses, et voilà ce que nous connaissons maintenant. Et ça m'a fait des larmes aux yeux. Donc voilà comment je me suis présenté candidat. Et j'ai été élu, hein. J'ai été élu dans ma circonscription comme député. Mais carrément, le système des élections chez nous, la commission électorale, dans la compilation, quand on a amené les résultats au niveau le plus haut, eh bien, j'ai été écarté. Et la justice, malheureusement, à la Cour constitutionnelle, à la Cour suprême de justice, la justice a donné raison à celui-là. C'est regrettable au Congo parce que le parti qui m'a fait partir, qui luttait contre moi, c'est un parti, ce monsieur-là, le meneur de ce parti, maintenant, soi-disant, il est dans l'opposition. Il est dans l'opposition maintenant. Ben, j'ai vu son collaborateur pour lui dire, mais c'est vous qui m'avez écarté. Maintenant, vous dites que vous voulez vous battre pour la population. Donc, je voulais faire la politique dans ce sens-là. Mais je rappelle, Evo Morales, en Bolivie. Mais Evo Morales, c'est un paysan, non? C'est un planteur de coca. Et Lula, bon, son histoire est devenue un peu bizarre. Mais Lula, c'était un syndicaliste, il était dans le mouvement associatif. Là aussi, ça doit nous interpeller. Peut-être c'est là où tu vas. Qu'est-ce qui fait que Lula, par exemple, au Brésil, qui était syndicaliste et qui menait le combat dans les syndicats de métallurgie, et à la fin, il arrive au Brésil, il a fait ce qu'il a fait, mais à la fin, on retrouve son nom dans la corruption avec Petrobras. C'est là la question. Qu'est-ce qui fait que quand on arrive dans ce milieu-là, parfois on se retourne contre la population? Peut-être que c'est ce qu'il devait dire. Mais nous devons continuer à faire le contrôle. Et c'est ce qui nous manque. Le contrôle citoyen dont on parlait hier. Chaque fois, nous devons interpeller nos élus. On doit les interpeller. Et non faire ce qui se passe chez nous. Ils réunissent les gens, ils donnent la bière, ils donnent à manger, sans demander qu'est-ce que vous faites au Parlement. Et ça aussi en Europe. Il faut demander au Parlement. Moi, je suis surpris en Allemagne. L'Allemagne qui lutte contre la pollution, on organise des grandes conférences contre le changement climatique et tout ça. Mais l'Allemagne continue à utiliser le charbon. C'est bizarre, ça. C'est incroyable, le charbon en Allemagne. Donc voilà comment les jeunes Allemands doivent continuer à interpeller. Ou les nucléaires, les combats menés, je ne sais dans quelle ville là, on disait que les gens luttent contre les déchets nucléaires. Donc nous devons continuer à lutter et continuer à interpeller nos hommes politiques. Très souvent, nous luttons entre nous-mêmes, mais il faudrait approcher ces politiciens progressistes pour qu'ils soient toujours là et qu'on tape toujours sur eux. Bon, voilà, merci. Je parle un peu trop, mais excusez-moi. Ok, wir sind fast am Ende. Wir müssen auch relativ pünktlich Schluss machen, weil ja die Workshops, die nächsten, auch bald anfangen. Gibt es noch für eine Frage, zwei, gibt es noch Platz, Anmerkungen, wie auch immer? Machen wir eins, zwei, okay? Jeweils bitte kurz und wenn es Fragen gibt, auch kurze Antworten. Hallo, ich bin Jule. Ich ist eher ein kleines Statement. Und zwar war ich in Burkina Faso zum Zeitpunkt der Revolution und auch zum Putsch, der ein Jahr später passiert ist. Und genau, ich wollte anmerken, dass natürlich es super wichtig ist, dass Proteste und Regierungswechsel von unten her organisiert werden und dass es diese Basis gibt. Aber also aus meiner Erfahrung auch einfach nochmal feststellen, dass internationale Diplomatie auch sehr, sehr wichtig ist. Denn erstens, ganz so friedlich war der erste Tag der Revolution in Burkina nicht. Es wurde scharf geschossen. Und das ist einfach ein Beispiel für sehr viele afrikanische Staaten, in denen dann einfach scharf geschossen wird, wenn man auf die Straße geht. Und hier war einfach der internationale Druck auch sehr wichtig. Was natürlich wieder die Gefahren birgt,
dass die ihre Machtvorherrschaft sichern wollen. Denn in Burkina ist immer noch Frankreich sehr einflussreich und das Gold, was da abgebaut wird, wird exportiert. Kanada, Australien ganz groß dabei. Und ja, aber wie will man das bewerkstelligen, wenn das Volk keine Waffen hat, keine Möglichkeiten hat? Zum Beispiel, ich will es noch mal kurz erwähnen, in Kamerun ist gerade auch der frankophone Teil und der englische Teil im Clinch. Und da geht es richtig ab. Und wir kriegen hier überhaupt nichts mit. Da werden Leute ermordet auf der Straße. Das Internet ist abgeschaltet und hier die Medien berichten nicht darüber. Und es wird aus Hubschraubern geschossen. Und hier ist es wichtig, diesen Präsidenten, den frankophonen Präsidenten, der seit 84 im Amt ist, durch internationale Diplomatie auch zum Einlenken zu bewegen. Und die Gefahr ist natürlich, dass man dann wieder alte Systeme stärkt, aber trotzdem ist das nicht zu verachten. Und was wir machen können, ist auf jeden Fall von der europäischen Seite her, Politiker darauf aufmerksam zu machen, dass sie da eingreifen, dass sie das im Parlament besprechen und das einfach verbreiten, auch über die Medien. Danke. Merci. Du coup, j'ai une petite question. Alors, comment est-ce que vous utilisez le social media pour vos mouvements? Parce que ça joue un très grand rôle ici en Allemagne, en Europe, et je suis sûr que ça joue un rôle très important en Afrique aussi. Alors, est-ce qu'on peut utiliser le social media comme média alternatif? Parce que vous avez dit les deux que les médias, ils ne font pas de rapport véritable ou réel. Ok, vielleicht beide, könnt ihr beide noch mal ganz kurz was zu sozialen Medien sagen. Wir haben es jetzt schon 11 Uhr, müssen also wirklich tatsächlich in 3 Minuten ungefähr hier Schluss machen. Also jeweils noch ein kurzes Wort von euch dazu. Oui, pour nous, il faut dire que les sociaux médias ont joué un grand rôle dans notre lutte que nous avons commencé au Maroc. Pourquoi? Parce que chaque fois, donc d'abord il y a eu une rencontre entre les organisations de migrants et aussi d'autres organisations de migrants et aussi des militants et activistes européens qui étaient venus au Maroc, et ensemble, on avait créé une liste de diffusion, ce qui fait que chaque fois qu'il y avait, par exemple, des rafles au Maroc, vous savez, quand il y avait des rafles, ce sont des rafles qui commençaient souvent entre 3h et 4h du matin, et à 6h déjà, le bus démarrait pour aller au niveau de la frontière à Oujda. Alors nous avons beaucoup utilisé les médias sociaux avec notre liste de diffusion. Chaque fois qu'il y avait un problème, on envoyait le message et là, tout le monde était atteint et tout le monde était mobilisé, ce qui nous permettait de mener des protestations. Et aussi, le message qu'on envoyait, qu'on écrivait sur cette liste, il y a même des autorités qui recevaient aussi ça, et ce qui faisait qu'à un moment donné, ils avaient un peu de réserve à faire de n'importe quoi sur le migrant. Alors pour nous, je crois que les médias sociaux, oui, ça joue un grand rôle, mais il faut savoir, par exemple, dans le pays, mon pays, par exemple, le Congo, oui, il y a maintenant l'Internet, mais ce n'est pas partout qu'il y a la connexion Internet, et en même temps, ça coûte cher pour accéder sur les réseaux sociaux. Et aussi, quand il y a par exemple, des manifestations, quand il y a des manifestations ou quand les gens veulent se mobiliser, des fois, il y a les autorités qui bloquent donc, l'Internet. Donc, c'est ça la difficulté que nous avons. Oui, je pense qu'il l'a dit. C'est vrai que les médias sociaux jouent un grand rôle actuellement, surtout chez les jeunes. Parce que bon, nous les vieux, on a du mal à manipuler tous ces appareils. Les jeunes, ça joue un grand rôle. Et chaque fois, les images sont vite parties. Mais la dernière manifestation à Kinshasa, dernièrement, j'étais là, les étudiants ont manifesté.
Et carrément, le gouvernement a demandé à ce que les images ne passent plus. Il a imposé aux compagnies de télécommunications. Et ces compagnies de télécommunications doivent obéir. En principe, c'est leur liberté de ne pas obéir, mais ils doivent obéir parce que ce sont des compagnies de communication qui généralement ne payent pas les taxes réelles. Et donc, s'ils n'acceptent pas de couper les réseaux sociaux, eh bien, le gouvernement va leur dire, d'ailleurs, vous ne payez pas les taxes. Parce que très souvent, ils passent par la corruption. Alors, les radios et télévisions en ligne, même les journaux en ligne, c'est vrai, c'est une faiblesse qu'on a, mais c'est par rapport à la connexion qui est très, très difficile, mais aussi la maîtrise. Et donc, dans les échanges, par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent sur ces matières, ceux qui connaissent, que ce soit les jeunes africains ou bien les jeunes européens, qui savent bien, qui peuvent aider le jeune à faire des radios, des émissions en ligne et télé. Moi, je pense que voilà, un genre de coopération qu'on peut aussi, voilà, qu'on peut faire. Je crois que c'est tout. Donc, c'est presque le même problème. Merci. L'observation, c'est vrai, il faut des actions. Moi, une fois, on m'a refusé un visa. Je devais voyager le samedi, le billet était là. Le vendredi, j'arrive à l'ambassade de Belgique, on m'a refusé le visa. Alors que je viens régulièrement en Europe. Mais curieusement, le samedi, mon voyage était le soir. Le samedi, à 10h30, l'ambassade m'appelle. L'ambassade. Il dit non, tu viens vite avec ton passeport, tu dois voyager. Si tu as annulé le billet, on va tout arranger, tu dois voyager. Et c'est parce que c'était grâce à ces parlementaires, à ces sénateurs belges-là, lorsque en Belgique on a dit qu'on n'a pas donné le visa, eh bien ces sénateurs sont intervenus et on m'a donné le visa. Donc la coopération, la diplomatie dans ce sens-là, officielle avec le progressiste, c'est très important parce que ça permet de faire voir toutes ces violences et répressions qu'on connaît. Merci. Ok.